Moi, je vais exprimer des consignes dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Donc, comment ça se passe? Déjà, on va essayer de comprendre ce qu'on fait. Et on va essayer de mettre en place plusieurs systèmes. D'abord, il y a des rituels, des espèces de bases qui sont très simples et qui sont corporelles. Par exemple, une position neutre qu'on apprend tous ensemble pour revenir à cette position à chaque début d'exercice. Ce qui fait qu'on est rassuré, on est au moins ça. Le commencement, je l'ai, je sais ce qu'on fait, je sais ce que je fais de mon corps et je sais où je suis dans l'espace. Après, on va déclencher plusieurs phénomènes. On va déclencher un phénomène d'imitation où les gens vont nous imiter. Après, on va essayer de déclencher un phénomène de compréhension intuitive en parlant avec des gestes, en parlant avec des mots transparents, des choses qu'on peut dire et qui peuvent être compris de façon internationale. On va faire par exemple deux lignes parallèles, des lignes, ligne en allemand, ligne en français, parallèle, parallèle. Ce sont des mots qui peuvent s'entendre dans plusieurs langues et qui font que, ah oui, en fait je comprends, en fait je comprends, c'est pas très compliqué. Moi-même, je vais adapter mon vocabulaire, je vais adapter ma façon de parler, je vais me mettre ce qu'on appelle en mode FLE, en mode français langue étrangère, donc je vais avoir un débit de parole beaucoup plus lent, je vais bien articuler, je vais faire très attention aux intonations, je vais répéter des choses pour pouvoir avoir une compréhension pas littérale de ce qu'on dit, mais intuitive. La méthodologie Tealingua, elle est venue du terrain, elle est venue avec les années, avec l'équipe que l'on est. L'équipe est vraiment importante et cette équipe, elle représente bien les trois champs épistémologiques, nos trois disciplines, nos trois domaines de travail. Donc, puisqu'on a des pédagogues, on a des comédiens et des metteurs en scène. Donc là, on a vraiment des personnes qui ont fait des écoles, puis qui ont eu des compagnies. Et on a tout ce qui est le champ, comme moi, de la didactique des langues, et du français langue étrangère, ou du Deutsch als Fremdsprache, si on veut spécifier encore plus. Donc on a les enseignants de langue, par exemple. Et en fait, on a tous ces trois piliers. Donc cette partie de sciences de l'éducation, art du spectacle et didactique des langues donne des axes pour la méthodologie Tealingua. Et on a vu qu'au cœur de ces trois sources de recherche, on avait en fait trois concepts qui nous sont essentiels et que l'on retrouve dans ces trois champs-là, qui sont le corps, le collectif et l'engagement. L'idée, c'est de travailler toujours avec les mêmes bases, les mêmes principes, les mêmes piliers. Le premier pilier, c'est le corps. Donc, on va utiliser notre corps pour faire du théâtre. On va pas utiliser un texte, on va pas utiliser des accessoires, on va utiliser notre corps. Avec ce corps, on va faire plein de choses. Le deuxième pilier, c'est l'engagement, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose, trouver en soi quelque chose pour pouvoir engager la parole, engager le corps, engager le contact avec les autres, la communication, etc. Le troisième pilier, c'est le collectif. Et ça veut dire qu'on va jamais être tout seul à faire quelque chose, mais qu'on va faire des choses ensemble. Ça va aider, ça va nous aider à faire les choses parce on les fait tous ensemble, on se soutient mutuellement, on s'entraide. Thank you.